Vous habitiez en face jusqu'à une période récente. Jusqu'à l'héritage. Oui. Vous avez autre chose à me demander? Non, mais nous rouvrons l'enquête. Lundi, Jean-Hugues Anglade et Clotilde Courault, victimes des machinations post-mortem de leurs voisins. Laquelle de nous préfères-tu, Dwayne? Laquelle de nous préfères-tu? Mardi, Bruce Willis délaisse son Marcel pour le costume cravate dans un pamphlet contre la société de consommation. Pour ce qui est de ton petit pari, je suis partante. Mercredi, après avoir chassé le vampire, Sarah Michelle Gellar dévoile son machiavélisme inspiré des liaisons dangereuses. Mon père est mort. Mais enfin, t'as plus de père. J'ai un frère aussi. Mais enfin, t'aurais pu le dire quand même. C'est un idiot. Jeudi, le lendemain de son mariage, il croise l'amour, le vrai, celui qui se passe des saints sacrements. Vendredi, se dégourdir les trapèzes, s'oxygéner les artères et siffler en fa dièse. Que ne ferait-on pas pour maîtriser la sphère? R2, où es-tu? On a besoin de toi au bunker, immédiatement! Samedi, rayon laser contre catapulte. Les Ewoks font la différence et la force exulte. Vous avez pensé à un metteur en scène? Pourriez me conseiller quelqu'un? Claude Lelouch, par exemple. Ça doit coûter une fortune, Lelouch. Non, mais là, il sort d'un bide, là. On devrait l'avoir pour rien. Dimanche, la dérision des sentiments, où trois comédiennes sans emploi deviennent séductrices de mauvaise foi. Lundi, en face, mardi, Breakfast of Champions, mercredi, Sex Intentions, jeudi, Mifune, vendredi, La Louvière Anderlecht, samedi, Le Retour du Jedi, dimanche, Une pour toutes. Bonne semaine sur Canal+.